Ce meeting de soutien aux actions du président Patrice Talon à Hoyogbe est l'aboutissement d'un long combat politique mené par l'honorable Dakwe Sossou pour mieux quadriller la 18e circonscription électorale pour les prochaines élections législatives. Et à entendre les déclarations des représentants des diverses couches sociopolitiques de la commune de Hoyogbe, tout porte à croire que Hoyogbe a définitivement perdu son titre d'opposant au régime de la rupture. Si quelqu'un doute que Hoyogbe n'est pas pour Patrice Talon, la réponse lui est donnée aujourd'hui. Moi, Laïssa Mathieu, coordonnateur du parti FCBE de la 18e circonscription électorale, déclare que le président de la République peut désormais compter avec la jeunesse de cette commune. Nous sommes donc fiers ce jour d'être tous pieds joints dans la mouvance présidentielle. La grosse prise dans ces ralliements de Hoyogbe à la cause de Patrice Talon, c'est le soutien de l'opérateur économique Félix Siavi au régime du nouveau départ. À compter de ce jour, samedi 30 juin 2018, toute la commune de Hoyogbe s'aligne derrière son excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon. À travers ma voix, déclare son soutien indéfectible aux actions de ce gouvernement. Le président Patrice Talon est le seul qui peut conduire le Bénin des réformes et assurer un développement économique durable. Seul gage du bien-être de tous les Béninois, mobilisons-nous derrière lui pour sauver notre pays des carcans de la mauvaise gouvernance, de l'impunité et de la corruption. N'admettant pas que la commune de Hoyogbe bascule dans l'opposition de par sa position dans la 18e circonscription électorale, l'honorable Dakwe Sossou a usé de tous les moyens pour la sauver de sa noyade dans l'opposition au régime en place. La commune de Hoyogbe, qui sert de pont entre Lokossa et Bopa, ne saurait être taxée de bastion de l'opposition. Une opposition conduite sans vision et sans objectif. Jamais nous ne laisserons nos frères souffrir d'un combat qu'ils ne pourront jamais gagner. Nous sommes encore au pouvoir, l'opposition ne pourra pas gagner. Tant que notre mandat n'est pas terminé, vous n'avez pas de place. Hoyogbe est déjà avec nous. Je lis à travers ce meeting que je tiens pour une déclaration d'amour votre engagement à vous mettre aux côtés du président de la République pour travailler avec lui afin d'amorcer le développement de notre commune. La présente mobilisation pour soutenir le programme d'action du gouvernement a connu la participation des cadres de Hoyogbe et surtout celle des diverses couches sociopolitiques de la localité qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement.